Ok, là, ce qui nous fait nous corriger ce papier qu'ils ont gagné la semaine dernière, right, juin 2011, papier 2. Ok, ça c'est papier 2, juin 2011. Right, là, ok, comment vous trouvez, vous besoin de répondre, nous lui avons fait une instruction, vous besoin de répondre question de question paper même. Ok, ben, additional material qu'il peut expect pour servir de ce papier-là, c'est ben geometrical instrument ou boîte compas et ou calculatrice ou gain droit servir parce que c'est papier 2 ça. Next, ça c'est tout ça, ben, instruction là, ça ou des inconnus, servir plume bleue. Foncé ou soit couleur noire, ou quand servir crayon pour faire ben diagramme ou soit ben graph, pas servir staple, paperclip, highlighter, la colle, servir blanco, tout ça. Ok, right, après on amène any barcode, quand on amène barcode ici, on a besoin d'un crayon. Right là, à l'époque, vous connaissez le syllabus avant, tu as section A, section B de papier 2. À ce n'est plié là comme ça, c'est au besoin de répondre toutes questions. Auparavant, de section A, tu as besoin de répondre toutes questions, et de section B, tu as 5 questions quand tu as besoin de choisir 4. Mais à ça, il n'est plus comme ça. C'est-à-dire, vous répondez toutes questions. Alors, pour ce papier-là, vous répondez toutes questions. OK? Gagnez l'habitude de répondre toutes questions. Getting to toi, omission of essential working will result in loss of mark. Mais déjà, vous avez montré tout ben calcul. OK? Vous avez servi calculatrice. Après, il dit où? Si, dépendant de faire comment vous servez calculatrice, vous avez une longue réponse qui n'est pas exacte. Il dit où? En cela, si ce n'est pas exact, donne réponse à tout three significant figure. Sauf ben angle in degree done to one decimal place. Ok, et pour valeur paille, soit vous servez valeur paille dans la calculatrice, soit vous servez 3.4D, sauf si la question là, déjà où laisse réponse en termes de paille. Pas tout ça paille là, pas remplace ce valeur. Ok, avec un papier, il reste le 100 points. Et combien de temps vous gagnez? Vous gagnez 17 à 30 minutes pour faire ce papier là. Ok, allez, right, allez, nous commençons à corriger ce papier là. Première question, il y a une question de algebra, une question bien facile. Nous checker. Ok, ça c'est la première question. Right, express as a single fraction in its simplest form. Mais déjà, joindre ça des fractions là, faire diviser une seule fraction, après simplifier fraction là. Ok, là où on a n le 2x, retirer 2 le 5x. Ok, comment on subtract des fractions? Quand on retire des fractions, le dénominateur en bas besoin pareil. La dénominateur pas pareil. Comment on va faire diviser pareil? Ok, dx 5x, sur so, LCM qui vient, on va pas faire diviser dans le coin, c'est facile ça. Dx x 5x. Nous faisons une seule division comme ça. Right là, pour qui nous sommes capables de diviser, nous sommes capables de diviser par 2. Si nous divisons par 2, ici pour us x, ici pour us 5x. Ok, nous divisons par 5. Ici, pas pour capable de diviser, ici pour une x. Et si nous divisons par x, ici divine n, ici divine n. Veut dire LCM qui divine, LCM vient d fois 5 fois x. D fois 5 fois x. Qui vient 10x. Veut dire LCM ici peut venir 10x. Ok, right. Rappelle bien qui. Et une fois que vous retirez ou soit vous ajoutez des fractions, par exemple, vous avez n le 4, c'est pas pour ajouter avec, disons, n le 6. N manzele qui se fait, je prends ça 14 fois par 6 et 16 fois par 4. Ok, dit bon, tu es capable de faire ça. Mais qui peut arriver, tu ne peux pas multiplier par sur LCM. Tu as le droit de faire ça. Ici 2 fois par 6, 2 fois par 6, ici 2 fois par 4, ici 2 fois par 4. Là, on peut venir 6 plus 4, en bas, il peut finir 24. Là, qui peut arriver, 6 plus 4 fait 10, en bas, 24. Là, qui peut arriver, tu as besoin de réduire ce fraction là après. Divise par 2 fait 5, divise par 2 fait 12. Ok, get ça step là, tu sautes si tu fais LCM. Veut dire, de place, moi, tu peux prendre fois 6 fois 4, moi, tu peux mettre LCM, least common multiple. Si moi, tu as n le 4 plus n le 6, moi, pas multiplier par 6, multiplier par 4, avant, moi, get LCM of 4x6 qui était. LCM of 4x6, moi, get un coup, 4x6, moi, divise par 2, divine 2, ici, divine 3, divise par 2, divine n et 3, divise par 3, divine n et n. Veut dire, LCM là, divine d fois d 4, 4 fois 3 fait 12. Veut dire LCM là divine 12. Ça veut dire 4x6 sur LCM est 12. Veut dire ici ou fois par 3, ici ou fois par 3, ici ou fois par 2, ici ou fois par 2. Et là, en bas, tous les deux, vous finissez 12. Là, on est 23 plus 2. Réponse 25, le 12. OK? Vous trouvez quand vous faites LCM, il y a un step qui vous saute. Right? Si vous n'êtes fois par 6, fois par 4, sans guetter si ça LCM of 4x6 est 24 ou pas check LCM. Là, vous pensez en la fois ici, en la fois ici. Right? Qui peut arriver, vous prenez un step additionnel. Quand vous finissez à ajouter sa fraction, vous pouvez arriver jusqu'à là, vous pouvez simplifier la fraction, reduce. Li. Mais quand vous faites LCM, ou guetter LCM of 4x6 qui était 12, de là, si vous faites 4 vint 12 fois 3, 6 pour 12 fois 2, là, qui peut arriver, ce step simplifié là, tu n'as pas besoin de faire ça. Il vient 5 le 12 directement quand tu ajoutes ça des fractions. Là. OK? Mais quand vous pouvez retirer une algebraic expression, get là, il y a une algebraic expression. Right, là, ici, il y a x, ici, il y a 5x.
Right là, dx, 5x. Là, il est préférable ou faire LCM. Si vous pouvez multiplier par 5x, si vous faites par dx, là, vous pouvez simplifier ou compliquer la vie. On finit de checker qui dx, 5x. Ou capable de faire, là, n j'ai beaucoup fois 5x, ici, fois par dx. Là, dernier, vous pouvez simplifier. Ton change, il faire erreur de simplification. Alors, on écoute checker dx, 5x sur LCM qui est venu. Dx, 5x, nous trouvons sur LCM, 26. Dx, pour faire 26, vous pouvez fois par 5. Ici aussi, vous pouvez faire fois par 5. Ici, pour faire 26, vous fois par 2 ou fois par 2. De là, en bas, il faut finir 26. Là, on peut faire n fois 5 fait 5. Retirer 2 fois 2 fait 4. OK? Right? De là, il y a 5 retirer 4 fait n. En bas, il y a 26. Ça veut dire 5 mots réponse. N, l'eau, 16. Vous pouvez simplifier vos réponses. Hein? Alors, que vous pouvez vous dire, élèves, c'est qui, comme je dis, tu peux multiplier par le plat sans calculer le CM, qui tu peux arriver. Et dit là, fait que vous tu peux faire n, l'eau, dx. Retirer d l'eau 5x. Ça aussi, vous avez le droit de faire, mais vous avez besoin de vigilant quand vous travaillez. Ça veut dire que dx, c'est tout 5x, 10 fois par 5x ici. Ici, 10 fois par 5x. Ici, 10 fois par dx, fois par dx. Qui peut arriver? Est-ce qu'il est venu en arrière? Non. Parce que, en bas, dx fois 5x, c'est venu 10x square en bas. Là-haut, n fois 5x fait 5x. Retirer d fois dx fait 4x. D'accord, tu simplifies, il est venu 1x en bas le 10x square. Vous trouvez? Mais là, il n'est pas simplified form, parce que question de simplest form. Et là, vous avez besoin de diviser, divise par x, c'est là que vous gagnez une réponse n de 16. OK, right? Vous avez un droit à faire, mais vous connaissez que vous avez un step où vous avez simplifier. Si vous ne pouvez pas multiplier, faire une LCM en bas, least common multiple. OK, ça veut dire réponse une n de 16. Next, en bas, vous pouvez trouver, vous n'avez pas ajouté des fractions cette fois-là. Pareil, quand vous ajoutez des fractions, right? Vous avez besoin de faire LCM, là où on a 4 lo x plus 7 lo x moins 3. OK, sinon on calcule LCM of x et x moins 3, regarde là. X, virgule, x moins 3. OK, là qui nous fait faire bien attention, ça vient de TM ça. Ça vient de TM. Ou capable de diviser par x ici, vin n, ici il reste x moins 3, ou pas pourquoi diviser par x, x directement là. Faut dire que c'est un seul TM, ici il y a DTM là. Là, next, ou divise par ça x moins 3 là direct, il vin n, veut dire LCM là, il vin x fois, x moins 3. Veut dire LCM là, il vin x, x moins 3. Veut dire dans ce cas là, ou pour besoin prendre x fois par x moins 3 fois li par x. OK, ici vous fois par x moins 3. Là aussi vous fois par x moins 3. OK, ici vous fois par x et ici vous fois par x. OK, qui est pour venir en bas LCM? Il vient x fois x moins 3. Là où 4 fois x moins 3 plus 7 fois x. Il vient 7 fois x. Il vient 7x. OK, quand vous gagnez une expression comme ça pour simplifier get LCM en bas. En bas là, vous ne pouvez pas simplifier. Pas nécessaire simplifier. Ou gagnez droit x man. Si vous faites x fois x vin x square, x fois moins 3. Mais en bas, vous pas nécessaire simplifier. Là, vous avez besoin de simplifier. Ok, get 4 fois x ou expand. 4 fois x fait 4x. 4 fois 3 fait 12. Ici, il 7x. En bas, il devient, vous pouvez quitter comment il était. X, x moins 3. Next, qui peut arriver, 4x plus 7x, qui est des like terms. 4x plus 7x fait 11x. Avec un négatif 12. En bas, les x fois x moins 3. Vous calculez vos réponses comme ça. 11x retire 12, l'eau x, x moins 3. Ou si vous changez x, maintenant en bas là, ce n'est pas un problème, mais vous ne pouvez pas perdre des temps. Arrête là, x fois x, x square, moins 3 fois x fait 3x. N pas, mais ça des réponses à vous calculer. Tout est bon. Soit vous quittez comme ça, 11x moins 12, l'eau x, x moins 3. Soit vous finissez expandant en bas là, les pouvez x square moins 3x. N pas, mais ça des là. Mais comme je disais, en bas là, vous ne pouvez pas expandre, pas simplifier. Là où là, vous avez besoin de simplifier, vous avez un like terms. Ok, ça veut dire N pas, mais ça des réponses à vous mettre pour deuxième partie. Next, ça c'est nous la partie B. Toujours un petit algebraic simplification. Right, allez. Nous check partie B. Là, il y a une question de function. Une fixe function, f of x égale dx moins 3 le 4, find f of 2. Ça va bien connaître comment nous faire f of 2. C'est-à-dire qu'on remplace x par 2. Divine 2, retirer 3 le 4. Function d'habitude gagne de papier n. Si gagne de papier 2 ici, ça veut dire papier n pas gagne. Ok, 2 fois 2 fait 4 là-haut, retirer 3 le 4. Divine 4 retirer 3 fait n le 4. Il y a une proper fraction, on va quitter comme ça, n le 4. Ou soit on fait divine décimale, divine 0.25. Next, ça c'est la deuxième partie de toi. Given that f inverse of x is equal to cx plus d. F inverse of x. Allez, nous allons voir f inverse of x. Comment nous voir f inverse of x si tu as f of x? Donc, on vous rappelle, nous avons let y égale dx moins 3 le 4. Là, nous fait x vin subject of formula. Là, dx moins 3 fois n fait à dx moins 3 égale, ici, divin y fois 4 fait à 4y. Nous fait x vin subject of formula, divin dx égale 4y plus 3. X pour vin 4y plus 3 divisé par 2. Et la dernière step qu'il faut faire, vous dire, let f inverse of x be
Right? Pour gagner f inverse, n'est que de right hand side là remplace y là par x, 4x plus 3 là au lieu. Ok? Mais nous avons fait f inverse une de sa formate là, qui est bien séparé, la peine à fraction. Hein. C'est un mot pour portas, get f inverse ça qui m'a pour faire. F inverse of x pour venir. Get là, mon portas ça de là avec tous les DTM, il 4x là au lieu, plus 3 là au lieu. Tous les DTM gagnent ça de là. Et là, f inverse of x qui pour venir. Là où on divise par 2, il peut venir dx. Ici, 3 divise par 2 fait 1.5. Get infinity de sa format là. Si x plus d. Vous pouvez trouver que le format là, il paraît si x plus d. Si x plus d. Est-ce qu'il va laisser, je ne peux pas dire qu'il peut être. Il va laisser là, il peut venir ça de là. Et que valet d qui peut venir ici, valet d peut venir 1.5. Ok, ça c'est deuxième partie. Next, troisième partie, c'est if f of g is equal to negative g, find the value of g. Tout ça, on a été formaté, voilà notre travail de function. Veut dire f of g. F of x, c'est dx moins 3. Mais f of g veut dire remplace x par g là-dedans. Living 2 fois g retiré 3 là au 4. Ça, c'est f of g. Right, là, living 2 fois g retiré de là. On remplace de f of x, on remplace x par g. Ça, f of g là, il peut égal negative of g. À cette route valeur g, nous cross multiply, nous solve sa equation. Allez, dg retire 3 fois n fait à dg retire 3. Égal 4 fois négative g fait à négative 4, g. De là, nous mettons tout le même terme qui est de côté, dg ici. Ici, là, il peut venir positive 4g. Égal à droite, il peut venir négative 3, on va avoir positive 3. dg plus 4g fait à 6g égale 3. Ok, quest là? DG plus 4G, fais-toi 6G égale 3. Right là, next G qui peut venir. G peut venir 3 divisé par 6. Je peux trouver que G peut venir half. Ok, ça veut dire half. Par qui te réponds ça comme ça, il n'est pas simplifié. Half ou soit NZD ou NZD, tu es capable de simplifier, faire une décimale, n'a pas 0.5. Ok, ça c'est troisième partie pour numéro 1.